Direction la primaire du Rombois, où tous les enfants sont très calmes. Certains dessinent, d'autres rangent leurs affaires, avant que la sonnerie annonçant la récré retentisse. Ça y est, les enfants sont dehors, c'est l'heure pour nous d'aller récolter les premières impressions de cette rentrée. Alors Sarah, bonjour, aujourd'hui c'était la rentrée, comment ça s'est passé? Bien. T'étais contente? Oui. Qu'est-ce que t'as fait ce matin? On a rangé des feuilles dans le classeur et on a collé des trucs dans le cahier de Légion et aussi on a mis des feuilles dans la pochette. Au début, on est rentré en classe. La maîtresse nous a montré tous les cahiers, tous les leçons, tout ça. Après, elle nous a un peu expliqué le mode qu'on travaillait pendant toute l'année. Après, elle nous a donné des cahiers. Dans les cahiers, il y avait des dessins. On collait des dessins et après, on les coloriait. On a joué un peu dans la cour. On est rentré. On a fait du travail. On a rangé les feuilles de la pochette, on a rangé le classeur. Elle nous a un peu expliqué le programme pour l'année. T'étais content de rentrer aujourd'hui? Non. Pourquoi? J'aime pas l'école. Et les vacances, ça s'est bien passé? Oui. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai été en vacances en Espagne, dans un petit village. J'ai été à un fleuve, ruisseau. J'allais chez mes cousins, mes tantes, et ma famille, quoi. Ma famille en Espagne. J'étais dans les Vosges une semaine. J'étais avec la maison de l'enfance au Alligator et au zoo et aussi à la piscine. Avec la maison de l'enfance, j'étais à la piscine. J'ai été deux semaines en Italie et il faisait 40 degrés. J'ai été plus que 5 fois à la mer et puis aussi, j'étais au Alligator, j'ai rencontré Léa et puis j'ai été à Auchan, j'ai rencontré Quentin et Marine. On poursuit cette rentrée scolaire avec l'école maternelle de Villers. Il est 10h30, tous les enfants sont déjà rentrés. Dans cette classe, c'est l'heure du goûter. Nous, on en profite pour rencontrer la toute nouvelle directrice de l'école, Mélanie Sanchez. Alors Mélanie Sanchez, bonjour. Alors aujourd'hui, c'est la rentrée pour tous les enfants, mais également pour vous. Vous êtes la toute nouvelle directrice de l'école de Villers. Comment ça s'est passé, la rentrée? Ça s'est bien passé. J'ai une bonne équipe qui me soutient bien. Donc je suis bien contente d'être dans cette école et j'espère que les enfants vont apprécier ma classe. Est-ce qu'il y a une préparation particulière pour aujourd'hui ou pas? Aujourd'hui, on va apprendre déjà à se connaître parce que les enfants ne me connaissent pas. Ils ne se connaissent pas forcément tous entre eux. Et puis, on va bien sûr commencer à travailler, mais tout doucement, c'est le premier jour. Alors justement, c'est quoi le programme cette année pour les petits là? Alors, il y a beaucoup de choses. On va travailler sur le langage qui est une priorité dans les programmes. Mais on va aussi bien travailler à la découverte du monde, tout ce qui est art. On va vraiment faire beaucoup de choses. Un programme chargé, mais en même temps ludique, voilà. Bien sûr, oui, il faut toujours passer par le jeu avec les enfants. Et puis, de toute façon, ils ont le temps d'apprendre quand même. On n'est pas là pour les presser, mais on va faire ça tout doucement. Pas d'inquiétude donc pour la directrice. Et pour vous, les parents, pas de panique. Madame Sanchez a quelques conseils pour vous. Il ne faut pas montrer qu'on est stressé pour son enfant parce que ça le stresse. Il faut l'accompagner et puis lui dire que l'école, ça va lui servir pour plus tard. Et puis que c'est une belle expérience, je pense. Voilà, chers parents, pas de stress et tout ira bien. Voici en image vos enfants qui ont l'air de bien s'amuser pour ce premier jour. Bon, il y a bien quelques exceptions, mais allez, vous verrez, ça ira mieux dans quelques jours. Thank you.
Lucia. Comment elle s'appelle? Au même moment, à l'école primaire du Petit Moulin, toutes les classes sont silencieuses et appliquées. Pas un bruit dans les couloirs, ni même dans l'école. Les enfants sont attentifs et travaillent tous sur différents sujets. Pour certains, c'est la poésie, pour d'autres, la lecture, et d'autres, l'organisation des cahiers. Tous les élèves sont concentrés et veulent bien faire dès le premier jour. Alors, nous n'allons pas les gêner plus longtemps. On ne sait pas. C'est peut-être une sorcière. Qui nous a écrit cette lettre? Milo. Ah non, pas c'est CE2. Je suis en CM1. Ah, regardez, la super va rentrer dans votre école, mais mes parents ont décidé la catastrophe. Je n'ai plus aucun copain. Elle avait l'air toute contente, mais ta Sarah viendra me chercher à l'école. Tata. J'ai dit à maman, je peux rester. Je peux pas faire, mais si, je peux y aller. Alors, il faut que tu parles plus fort, Serena. Bien de Madame Eiffel ou de Mademoiselle Pise. Alors, les gens. Ah, c'est quoi Versailles? Versailles. Alors, on l'a redressée parce qu'avant, elle était un peu penchée. Elle est comme de GF. Non, pas ta maman. Copine. Je te montrerai ça. Oh, pour des gens. Qu'elles sont belles. Un beau jardin, tout. Oui. Alors, vas-y. Alors, dans les arbres, comme vous voulez. Quel château, c'est pas là. Nous sommes maintenant à l'école primaire de la ville basse. Dans la classe de la directrice, on entendrait presque une mouche voler. Allez, chut, on les laisse travailler. Oui, d'accord.
On se relie, les enfants. On relie pour voir si on n'a pas fait trop de copies, c'est important. Oui, t'as oublié le titre. Bah, tu le remets. Déjà, tu commences par la date d'aujourd'hui. Hein. Mais même si c'est une grosse pochette, c'est toute une pochette. Une branche de pochette. Restez les pochettes ouvertes. Plus loin dans cette autre classe, c'est la distribution des assurances scolaires et autres papiers indispensables pour bien commencer cette rentrée. Et là, elle a l'air d'avoir plutôt bien commencé pour ce jeune homme. Tu mets sur ta table, Imad, et je te donnerai la... Aujourd'hui, c'est la rentrée. Je suis en classe de CE1. Il y a 24 élèves. Voici le premier exercice de l'année pour ces écoliers. L'objectif, recopier cette phrase sur le cahier d'essai. Dans la classe des CP, on distribue le cahier de liaison. Ici, pas de jaloux, on aura tous le même et il sera rouge. La seule chose qui va changer, c'est bien sûr le nom et le prénom. Que vous avez bien votre cahier avec votre prénom. Si c'est le cas, vous pouvez retourner vous asseoir avec votre cahier. Vous ouvrez le cahier. Bien sûr, il faudra mettre une étiquette à votre nom. Petit tour enfin chez les CM2, c'est l'heure de la distribution des livres. Bon allez, on aura suffisamment le temps de les consulter. Allez, hop là, ni vu ni connu, on les range, on verra ça plus tard. Il est 11h30, nous sommes maintenant à l'école maternelle du Petit Moulin. Malheureusement, vous ne pourrez pas voir les tout-petits, la directrice préférant respecter le droit de l'image des enfants. Du côté des moyens et des grands, on chante, on s'amuse et on attend la fin de la matinée avec impatience pour retrouver ses parents et leur raconter ce premier jour de classe. On termine cette rentrée des classes avec le collège et la rentrée des sixièmes. Un moment toujours difficile à vivre pour ces élèves qui rentrent dans la grande école. Impression croisée avec Chloé, Mathias et Brian. Comment s'est passée cette rentrée ? Bien. Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai eu des copines, on a visité et puis c'était bien. Très bien passé. Qu'est-ce que tu as fait ? On a préparé nos emplois du temps, on a visité l'école. Et sinon, on a pris nos cahiers, on a mis dans notre cartable et ensuite on va les couvrir. Et voilà.
T'as pas beaucoup de travail en fait ce matin? Non, mais l'après-midi là on reste chez nous, on fait la classe mat et voilà. Mais sinon demain on va recommencer ce matin, juste le matin et après l'après-midi c'est bon. T'as pas eu trop peur de rentrer ce matin? Si, un peu. Ouais, pourquoi? Parce que j'avais honte. Tu avais honte? Pourquoi tu avais honte? Parce que c'est la première fois que je rentre au 6ème. Mais faut pas avoir honte, c'est pas grave. Hein. Ça s'est bien passé quand même. Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait? On a visité l'école. Et elle est grande cette école ou pas? Oui. Alors est-ce que tu l'as préparée cette rentrée toi? J'ai acheté mes affaires scolaires. J'ai aussi après j'ai révisé un peu mes leçons avant de recommencer. Et voilà. Et tu as travaillé pendant les vacances ou pas? Non. Tu n'as rien fait? Non. Bon. En même temps c'était les vacances. Oui, j'avais fait beaucoup de français. Parce que j'ai du mal. Est-ce que tu appréhendais un petit peu cette rentrée scolaire? Ouais. Pourquoi? Je sais pas. T'avais un peu peur? Ouais, voilà, j'avais un peu le trac parce que j'ai redoublé ma sixième en fait. L'année dernière, j'étais dans un autre collège, à Amnéville, donc voilà. C'est donc pas si... tout pareil. D'accord. C'est plus grand, c'est différent? Ouais, c'est différent. Et est-ce que tu crois que tu vas bien travailler? Bah, je le pense. Bah, si j'ai confiance en moi, et voilà. Je vais tout donner parce que ma grande sœur elle a été là, donc c'est à la Russie, donc ça devrait être facile. Il n'y a pas de raison que tu réussisses pas? Non, il n'y a aucune raison, hein, mais il y a des risques. Mais de toute façon, moi je pense que je vais réussir. C'est quoi ta matière préférée? C'est les maths. Ah, bon courage à toi alors. Ah, merci. Et est-ce que tu crois que tu vas bien travailler alors cette année? Oui. On va essayer? Ouais, voilà, on va essayer. Bon, ça va aller quand même. Oui. Bon courage, Brian. Au revoir. Allez, bon courage à toi Brian et à tous les autres élèves qui viennent de faire leur rentrée scolaire. On aura bien sûr l'occasion de se recroiser sur RTV. Alors, à très bientôt et bonne année scolaire à tous. Le sac.